Ouais, salut les oiseaux, c'est Parnon, on se retrouve pour ce sixième épisode sur Wolfenstein The New Order. Et on allait se faire vite, vite, vite une petite amélioration d'armure. Ok. Petite amélioration faite. Donc on va par là, Anya. J'ai trouvé des pistes intéressantes. Ce parchemin explique comment fabriquer un super béton. Tu crois que c'est ce que les nazis ont utilisé pour construire toutes ces atrocités en béton ? Oui. Tout, même ce bâtiment. Ils n'utilisent que ce type de béton. C'est pour cette raison qu'ils ont pu bâtir toutes ces villes aussi vite. Maintenant que l'origine de ce béton est établie, j'aurai besoin d'un échantillon pour l'étudier. Est-ce que tu pourrais chercher un morceau de béton sur lequel de la moisissure s'est développée ? Si tu veux pouvoir prélever un échantillon, il faut qu'il soit bien poreux. Tout ce que tu voudras. Et au fait, il y avait une liste cryptée des membres de Dat Yishud qui étaient en Pologne pendant la guerre. Je voudrais la comparer avec les registres officiels allemands des citoyens juifs. Et en particulier, entre les années 1939 et 1945. Regarde si ces registres sont aux archives. Je m'en occupe tout de suite. Attends, une dernière chose. C'est très important. Quoi ? Ce sera tout. Tu peux y aller. Moi, elle me plaît, elle, hein. Comme elle est et tout, la façon d'agir et tout. Bien, hein, j'ai bien aimé, genre, une dernière chose très 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 importante. Quoi? Le petit bisou comme ça, genre. Tu veux mon bébé, mon bébé, mon bébé. C'est quoi ça? Lettre de Bobby. Oh putain. Il y a vraiment un Bobby dans l'histoire, en fait. Que doit-on trouver? Et lui, il est chelou, hein. Pas la peine d'essayer d'ouvrir cette porte. Il me semble que Wyatt a une clé. Wyatt, j'ai besoin des clés des archives, tu les as? Ouais, je vais voir. Putain, il manquait plus que ça. Qu'est-ce que c'est? Des plaques. Celle du commandant Fergus Reed de la Royal Air Force. Je les ai prises sur son cadavre. Je voulais les renvoyer à l'armée, mais il n'y a plus d'armée maintenant. C'était un sacré pilote et un vrai soldat. Je suis vraiment pas fait pour ça. Pas fait pour quoi ? Pour ça. Pour tout ça. J'avais 18 ans quand d'un seul coup, on a perdu la guerre et le mal s'est répandu sur toute la planète. C'est moi qui me suis retrouvé à recoller les morceaux, à entretenir la résistance contre l'Empire nazi tout entier. Vous vous imaginez que j'étais prêt pour porter une responsabilité pareille ? J'ai tué tellement de gens bien à cause de mon ignorance. Vous vous souvenez de Prendergast ? Ce mec aurait survécu à n'importe quoi, increvable. Bah, je l'ai envoyé en mission un jour, il n'est jamais revenu. Sur ce coup-là encore, je me suis bien planté. Le commandant Fergus Reed, il aurait su quoi faire. Il aurait sauvé plein de vies. J'ai fait le mauvais choix. Vous avez fait un choix à la con ! Vous entendez ? Vous avez laissé un gamin faire un travail d'homme ! C'est moi qui aurais dû crever, capitaine, et c'est Fergus Reed qui aurait dû vivre. Écoutez, je suis plus un gamin, capitaine. Je sais reconnaître les erreurs. Tenez. Et foutez-moi la paix, maintenant! Là, c'était un petit peu hard, là. Donc là, c'est le fameux choix dont je vous parlais dans l'épisode 5. Le fameux choix que j'ai fait. Et je pense que si X, qui a choisi Fergus, doit avoir une version différente. Donc j'aimerais bien voir. Faudrait que je lui demande dans quel épisode il a tourné. Il a eu ce petit moment. Comme ça, j'essaie de comparer. De toute façon, moi, en live, je le referai. Je referai le jeu, mais du côté gauche. Ok. Archive. Ah, les registres, Anya. Ok. C'est quoi ce tableau? Truc de fou. Pas des trucs qui traînent? Non, non, non. Allez, c'est parti. T'as trouvé un échantillon? J'ai vu pas mal de moisissures dans le hangar. D'accord.
le hangar. C'est ça ton foutu hangar? Putain, il est immense le bordel. La moisissure. C'est pas des salauds quand même, hein. Parce qu'ils auraient pu mettre la scie au fin fond du truc, caché dans un trou ou quoi. Hein. Ça va quand même. Ah. Bon. Max Hoss. Sacrée chute, monsieur Trompe-la-Mort. T'es dans les égouts maintenant. Tu pourras retrouver ton chemin après avoir jeté un œil, hein. Espèce de gros chacal. Bon, du coup, c'est quand même des bâtards parce que. Bon, on a récupéré la cime, on est tombé dans un putain de trou. Faut pas que j'oublie que j'ai augmenté la difficile. La difficulté. Donc, je suis passé en difficile. Donc, faut pas que je fasse le con. Y'a. J'entends des bêtes. Ok. Okay. On va un petit peu s'amuser avec cette arme, hein, vu que. Alors là, par la suite, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était vers là. X a déjà retourné cette vidéo. Il m'avait dit qu'il y avait un secret dans les égouts. Oh, on cède un petit peu, c'est de la triche. C'est de la triche. Mais bon, il avait vu qu'il y avait un petit secret, du coup il m'a dit tiens, vas-y, va voir. Ah, encore une amélioration. Ricochet. Oh, qu'est-ce que c'est ce truc? Ah ouais. Pas mal. Ah. 2 balles suffisent. Ah mais du coup merde, j'ai plus d'armes. Ah, c'est cool. Des barres. C'est quoi ça? Merde, j'ai plus de balles. Il se recharge, bordel. Hein? Ok. Ah, si. J'ai un shotgun. Merde, oh, j'ai tremblé, je sais pas pourquoi j'ai tremblé comme ça. Il m'a fait mal, oh. Donc le petit passage, si je dis pas de conneries, il doit être vers là. Non. Ah, ou là. Ah non, non, si, ça y est, je me rappelle. Il m'a dit... Voilà. Donc c'est là, exactement. Oh, j'espère que... J'ai pas fail, tant mieux. Parce que j'ai dit à Ex, tu vas voir que quand je vais le faire, je vais fail. Et c'est par ici que ça se passe. J'ai pas fail, ça va. Hein. Et pour avoir cette fameuse médaille d'or, ce cendrier d'or. Ce cendrier en or, pardon. Ah, du coup, par la même occasion, on va recharger, ça fait plaisir. Et on se retrouve ici, ok. Oh là, je vais essayer de pas tomber.
pas mal de petits robots qui rôdaient, hein. L'air de rien. Hop. Il y avait de la vie, là. Donne-moi de la life, bordel. Comme ça, je suis à 100%, je m'en fous. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fabriques, bon sang ? Une expérience. Tu fais peur à Max. Désolé, mon pote. Je savais pas qu'il craignait ça. C'est son fils ? Non. Enfin, si on veut. En fait, je n'en sais rien. C'est quoi l'histoire ? Klaus avait un fils autrefois, qui était né durant la guerre, un miracle selon lui. Ils avaient essayé pendant des années d'avoir un enfant, sa femme et lui. Ouais, il ferait un bon père. Pour un nazi. Le problème, c'est que son enfant est né avec un pied bot. Bien entendu, Klaus savait ce que ça impliquait, et il a supplié les médecins de ne pas le dénoncer. Quand la police secrète est arrivée pour emmener le garçon, Klaus et sa femme ont tenté de leur résister. Sa femme est morte, elle a pris une balle dans la tête. Et l'enfant aussi. Klaus n'a pas réussi à les protéger. Il se sent responsable. Je crois bien. Et il ne pourra jamais pardonner aux nazis. D'accord. D'où son revirement, ok. Donc maintenant on comprend pourquoi. Je comprenais pas pourquoi lui d'un coup du jour au lendemain. Je crois que c'est un traître en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai lui en fait tant à la fin il va nous trahir ou va faire un petit coup genre chelou quoi. Non en fait d'accord il pourra jamais leur pardonner. Un jouet perdu et retrouvé. Ah c'est pas mal ça, je viens de trouver un truc. Peut-être pour Max. Max on dirait un enfant dans un corps de géant en fait. Il me fait délirer. Et du coup voilà il y a. Je comprends maintenant, je comprends pas mal de trucs. Faut que j'aille voir Max. Donc je pense que c'est une mission secondaire, ouais, je pense que c'est une mission secondaire, on va aller le voir direct. On va aller lui parler au petit Maxounet. Trouver le jouet de Max. Ah ouais d'accord, il y en a pas qu'un. Oh le bordel. Ok, donc il a l'air d'être en dessous. Pardon. Je sais pas pourquoi je fais ce bruit. Ah non, c'est la mission ça. Oh shit. Oh shit. Pas à se jouer. Moi j'avais qu'une pomme de pain et des allumettes. Tu es à Max, on rentre à la maison. Ah c'est bon, c'est tout. J'espère que c'est que ça. Hein. C'est que ça, c'est cool. Au moins j'ai ces trois jouets là. Ah non, il manque le camion. Alors, le camion. Donc, 1, 2, 3, ouais, il manque juste le petit camion. Un autre jouet de retrouver. Mais c'est bien ça. Cool, voilà, donc petit enfant il est content. Donc voilà, vous avez vu où ça se trouvait. Donc pour toutes les personnes où je suis allé un petit peu vite, je savais pas ça. Personnellement, voilà, à partir de là, là c'est la totale découverte. Je me suis arrêté vers là. Donc le camion était ici et le reste. Arrête de me regarder, BJ. Je te regarde pas, wesh, laisse-moi tranquille, toi. Non, le reste était par là et le truc, le petit robot était juste en dessous. Donc voilà, comme ça vous savez où se trouvent les objets. Merci, William. Laisse-moi faire les analyses. Je crois que je tiens une piste. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans les archives ? Oui. J'ai quelque chose. Le super béton. Le matériau de construction préféré du Reich, qui s'inspire de la technologie de la Datierschüd. Presque parfait, mais il développe des moisissures au fil du temps.
Quelqu'un a modifié sa composition, quelqu'un qui connaît ses secrets. En analysant l'échantillon, j'ai trouvé une trace d'un type de calcaire qu'on ne trouve que dans le nord de la Croatie. Maintenant, regardez. Le nom de Cetros. Il apparaît à 3 reprises dans les documents de la Dati Shud. Selon les registres officiels, il a été détenu en 1941 dans le camp de Lodze, puis envoyé dans un camp de travail à Belica, dans le nord de la Croatie. Et c'est ici que ça devient très intéressant. Les prisonniers de ce camp travaillent dans une carrière et en extraient une roche calcaire qui sert à fabriquer le super béton. À mon avis, c'est dans ce camp qu'on trouvera cette rosse. Le seul survivant de la Dati Shud. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est un homme âgé, il est peut-être même déjà mort. Nous ne pouvons pas attaquer un camp de cette taille et espérer mettre la main sur lui avant que toute l'armée nazie nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas le choix. Quelqu'un va devoir infiltrer le camp. Incognito. Involontaire? Tu t'en sens capable, Blazkowicz? Quel crétin. J'ai été arrogant. Personne n'est jamais prêt à vivre un truc pareil. Arbeit aus, bitte, Frau Engel. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandant. Durch die Tür, Sausack! Oh putain, on est tombé sur les deux psychopathes là. On n'est que du bétail ici. Plus des êtres humains. Il faut que je me calme. Que je pense à la mission. Trouver cette race. Compte jusqu'à 4. Inspire. Le jour est dur, il faut l'accepter. Après, ça ne s'améliore pas. Ça fait longtemps. Je suis là, je sais plus, des semaines, des mois peut-être. On meurt vite ici, tu sais. J'affrontais les nazis en Afrique. Ils avaient poussé un temps, mais ça n'a pas duré. Ils étaient trop forts. Et là, j'essaie simplement de rester en vie, jour après jour. Je cherche un homme appelé Seth Ross. J'en ai entendu parler. C'est lui qui a passé le plus de temps ici. Il est au bloc 4, mais pour y entrer, il te faut le bon uniforme. Oh, cherche un prisonnier, là-bas sur ta droite, qui porte un uniforme du bloc 4. C'est lui, il s'appelle Milo. Il paraît que sa femme est consignée dans le bloc. Il aura peut-être échangé son uniforme contre le tien. Mais avant tout, il te faudra distraire les gardes. Merci. Essayez de trouver un moyen de distraire. Comment tu veux que je les distrais, ces chacals? Tu plantes ta machine, tu prends le truc. C'est ce qu'il y a de plus pratique si tu veux te débarrasser d'eux. Le gros chacal à l'appui. Oh. Ouais, je comprends pas là.
Milo, c'était pas... Milo, je sais où votre femme se trouve. Quoi? Qui êtes-vous? Je suis dans le même bloc qu'elle. Vous êtes sûr? Elle n'est pas morte? Vraiment, elle est vivante? Si on échange nos uniformes, vous pourrez vérifier par vous-même. D'accord, vite. Wie sieht's aus? Können wir wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Brauchen wir ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Na ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir saufen. Warum denn nicht? Aufgemerkt, Gefangene! Die Fabrik ist heute geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor. Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. J'espère que tu trouveras vraiment ce que tu cherches. Mon nom à moi, c'est Bombait. William J. Blazkowicz. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi. Malade quoi. Bref, genre les mecs ils ont pas vu qu'on a échangé les vêtements et tout normal. Tourne-toi et baisse les yeux. Ah. Hey, vous, vous avez vu ma fille? Cette rosse. Regardez ce véritable colosse tout en muscles, en voilà un taillé pour le combat. C'est vous, cette rosse? Ça dépend. Qu'est-ce que vous lui voulez à cette rosse? Vous êtes de la date issue, de source de la technologie nazie, je viens vous sauver. Vous venez me... Ah, ça c'est merveilleux, tu entends, il est venu me sauver. Dans ce cas, sauvez-le lui plutôt, et filez d'ici sans attendre. Simpson, ne perdez pas de temps, compris? J'ai juré de ne plus jamais transmettre les secrets de la Tassirad. Rien à foutre, des gens meurent. La Résistance vous appelle. Il s'agit donc d'une transaction. Je vois, vous voudriez que j'échange ma liberté contre les secrets que j'ai juré de garder. Que je sacrifie mon honneur sur l'autel de la vertu. Bon, permettez-moi d'y réfléchir un petit moment, Simpson. Guten Abend, Gefangene. Hier spricht Lama, Direktor Engel. Voici ce que je vous propose. Aidez-moi à fermer cet endroit. Et je vous ouvrirai les portes du pouvoir à vous et à vos camarades. D'accord. Autrefois, j'ai travaillé sur un projet, cette machine. Elle fonctionne grâce à une technologie de la Dasirad. Je la connais très, très bien. Et ça... Regardez plus discrètement, enfin. Avec ça, je suis en mesure de prendre le contrôle de cette machine infernale, de faire sauter les portes du camp et de libérer tout le monde. Il ne me manque qu'une seule pièce. Je vous écoute. Une source d'énergie. Cette machine... Son système électrique est alimenté par une batterie bien spécifique, une batterie d'électronique. Vous trouverez une batterie de ce type dans la station-service des locaux de commandement du camp. Mais c'est dans un autre bloc, le bloc 6. Si vous réussissez à désactiver le système automatique de sécurité qui surveille les sorties, vous réussirez sans problème à atteindre le bloc 6. Je crois que là-bas, dans le quartier des gardes, vous devriez trouver le module de commande du système de sécurité. Trouvez un moyen d'entrer... Localisez le module de contrôle, ensuite coupez le système et revenez me voir. Quoi? Ça va quoi, le mec il m'a donné une mission de ouf quoi. C'est quoi ça? Oh putain, c'est les chiottes wesh. Y'a moyen de monter là? Non. Et comment ils montent les mecs jusqu'en haut? Ouah, con, ils sont empilés, lui qui dort tout en haut, il fait un mauvais truc, il la chute direct. Bref, donc il faut que j'aille à gauche. De toute façon, il n'y a pas d'autre issue là pour le moment. Je voulais voir s'il n'y avait pas des petits trucs et tout. Je me balade, me voyez pas. Vous êtes costaud. Et on dirait bien qu'il vous reste encore des forces. Si j'étais taillé comme vous, je m'occuperais de ce garde qu'on surnomme le couteau. Il s'amuse à emmener des prisonniers dans les quartiers des gardes pour les torturer. Oh, j'ai vu la fumée qui sort de la cheminée juste après. Je vous demande juste de lui donner ce qu'il mérite. Avec plaisir, bébé.
Oui, j'appelle toutes les femmes bébés dans le jeu. Il est où? Il est où ce mec? Il est où ce couteau là? Il y a une garde qui s'appelle Couteau. Couteau? Le couteau? Vous connaissez? Donc c'est une petite mission dans la... Ah, c'est pas mal. Donc je sais pas où il est, ce chacal. Il va se faire buter s'il continue. Donc peut-être faut que je continue, il va apparaître ou je sais pas. Je regarde au cas où, hein, les gars, je préfère vérifier. Oh. Non, elle a dit que c'était un garde qui amène les mecs et tout. Oh, alors, en plus, il les brûle après et tout, c'est des gros bâtards quoi, c'est un truc de fou. Petite glissade, hop. Donc, ouais, je pense que je vais aller te le tuer, ton couteau, te casse pas la tête. Oh putain. Bon sang, cette puanteur. Tu m'étonnes, Moret. Y'a pas des trucs qui traînent là, putain. Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Du erbärmliches Stück Scheiße. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertreten. C'est un truc de malade le mec, quoi. Normal, il m'a planté, je sors du feu, tout, j'allais être carbonisé. Je vais voir s'il n'y a pas un truc dans la pièce là-bas au cas où. J'ai une petite armure. Mène-nous de ce bordel là. Moi j'ai bien fait de passer par en là. Vite, 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 putain, truc de malade ce chacun là. Oh là là. Le couteau alors. Bon, au moins lui sera mort. Putain, j'ai bien fait de passer sur le côté, je savais pas, tu vois. J'espère qu'ils m'ont pas vu, chacal.
Je crois pas. Ça doit être ça, le module de commande des systèmes de sécurité. Tu manges de la gamelle toujours? Système de sécurité. Trouver 7. Attends. Je suis perplexe là. Bon, déjà ça. Il y a peut-être un truc là-bas, voilà. Donc peut-être il fallait que j'aille d'abord vers le fond et après remonter vers ici. Je préfère fouiller, hein, les gars, je vous le dis. D'accord, là je suis revenu au début aussi. Par contre, le gars il a disparu ou c'est volatilisé ou je sais pas quoi. Du fait que je lance ça en fait, peut-être ça a lancé un script et le mec il a disparu ou je sais pas. Bon, bref, tant mieux. Peut-être que j'ai raté quelque chose encore, mais bon, pff. C'est pas grave, au pire. Ouais, range le couteau, ça serait bien, ouais. Ah merde, il faut que je rende la quête, non? C'est pas une quête à rendre ou... Je crois que je serais aimé, moi. Fallait, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile de prendre la bonne décision. Mais croyez-moi, vous ne vous êtes pas trompé. C'est sûr. Ouais, donc il fallait rendre la quête, ça m'a donné un truc. Donc ouais, ça, je l'ai fait un peu à la MMO, mais voilà. Tu es ouf. De attendre devant peut-être le bloc là, devant le truc 6. Secteur 6, c'est de la balle. Il faut parfois trouver d'autres moyens de résistance que la violence. Regardez, le moindre ajustement des ingrédients qui composent ce béton déstabilise tout le mélange. La structure moléculaire se dégrade et le matériau moisit rapidement. Le système de sécurité. C'est fait. Ah, Shimshon. Quel est votre nom, Yengel? Blaskowitz. Blaskowitz, oui, Blaskowitz. Bon, maintenant que le système de sécurité est coupé, vous pouvez franchir cette porte pour rejoindre l'usine. Attention, surtout passez bien par la porte bleue du bloc 6, là où se trouve le bâtiment de commandement. Vous avez entendu? Une fois que vous êtes à l'intérieur, trouvez la batterie d'Etronic. Faites vite, il ne faut surtout pas que quelqu'un remarque quoi que ce soit, hein? Beatzlacha, Yengel. Pardon? Bonne chance. Je trouve qu'il était facile à convaincre quand même, lui, hein. Il était super facile à convaincre. Bon, maintenant il faut que j'aille trouver un bordel, du bordel, pour faire le bordel. Par ici, il y a quoi? Ok, pas mal de petits trucs. Donc, porte bleue, ok. Porte jaune, force bleue. Je vais quand même au ralenti au cas où, hein. Parce que moi je me connais, je fais un truc genre super rapidement et... Da. J'y suis. C'est le bâtiment de commandement. Ok. Ouh, il y a pas mal de petits trucs là. Du stuff. Va falloir rentrer dans ce bordel là, dans le bâtiment carrément. Attends, déjà j'ai l'impression qu'il y a un truc là. Ah ouais. Piratage. Merde. Ok, par contre. On pouvait pas passer par là non plus. Non. Ok. Donc obligé de passer par là. C'est
Pendant, j'ai perdu un truc, j'ai l'impression là. Il y avait pas un truc, un point d'exclamation? Ma foi, chelou. Ah d'accord, il y a des gardes. Ok, je suis par là. Oh, ça a l'air immense, putain. Bon, cette vidéo, tu aurais un peu plus longtemps que 40 minutes. Il va me voir ce gros patin. Ok. J'ai mis un coup dans le vent. Je devrais le faire en permanence à jeter le couteau à chaque fois. Il y a un truc sur la table, c'est quoi ça? De la vie. On peut pas se saouler un petit coup là? Allez, viens boire un coup à la maison. N'importe quoi. Bon, allez. Ah ouais, quand même. Oh putain, il y a le tableau de l'autre. J'ai l'air d'avoir fait un peu le ménage, non? Ça va, il était de dos. Vous l'avez. Oh putain de merde. Oh putain de merde. T'es pas sérieux? On retourne au camp. On ouvre le garage. On vend la véhicule. On défonce les portes.
Allez. Oh oui, bébé. Pour tirer des roquettes, c'était à la gauche pour utiliser les mitraillettes. Ok. Oh putain, vous avez vu la gueule de la gadji là? C'était un truc de fou. Oh putain. Bordel. Oh putain, il est trop beau ce jeu. Meurs, bitches. C'est trop un carnage. C'est trop. Il est où? Venez, venez, jetez-vous sous mes roues. Oh là là. Tiens, moi je crois que c'est dans le Titanfall là. J'allais faire des tâches sur le côté et tout. Oh là 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 là. Bordel. C'est pas un défouloir ce jeu les gars. C'est pas un défouloir. C'est un truc de fou. Franchement ça fait trop kiffer. Ok moi. Oh j'ai bien fait de pas couper la vidéo quoi. C'est quoi là? Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je détruise, mec? Je vais tout détruire! Le mec, il est excité qu'il en peut plus, tu sais. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on donne une machine comme ça. Oh! S'ouvre les portes, monsieur Blazkowicz! Ok. Protégez-les, monsieur Blazkowicz! Ok. Il aurait trop. Allez, cassez-vous, putain! Putain, je vais leur tirer dessus. Wouah, ça y est, ça va être bordel. Yes. Oh putain! Un truc de fou, ma vie, elle est descendue du tarpin! Et je m'amuse, mais. Putain, je vais me faire dessouder quoi! On charge, bordel, on charge! Regardez, y'a un cadavre là, il fait. Je sais pas, il est bugué! Arrêtez, putain j'ai pas envie quoi. La vie on se casse. Putain dommage hein, adieu mec hein. Bisous bisous. Je fais rarement des compliments, mais il se peut que j'ai sous-estimé l'utilité de votre physique de primate, monsieur Blazkowicz. La date, Yeshud. Dites-moi, qu'est-ce que c'est?
L'Ada Sirrud est une société mystique et antique. Nous opérions dans le plus grand secret depuis des millénaires. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? Vous priez? Non, vous... non, Mamoulou, nous ne prions pas. Nous inventons des choses, Mamoulou. La technologie mise au point par l'Ada Sirrud a des siècles d'avance sur tout ce que vous avez pu voir. Ou imaginer. Mais elle est dangereuse en de mauvaises mains. Les nazis ont trouvé notre cachette et tous nos secrets. C'est comme ça qu'ils ont gagné. Tout ce qu'ils ont jamais accompli. Tous leurs exploits sont le fruit de notre savoir. Mais... ce n'était pas la seule cachette de notre groupe. Nous en avons des centaines dissimulées dans les endroits les plus secrets du monde. Il y en a partout. Certaines sont provisoires, comme celles trouvées par les nazis. Mais d'autres... sont de grands temples pleins à craquer de connaissances, de magnifiques inventions, des choses qui, pour vous, sembleraient magiques. Si vous le désirez, je peux vous ouvrir les portes d'un tel endroit, mais l'atteindre ne sera pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, cette cachette se trouve au fond de l'océan Atlantique. Ce qu'il nous faut, c'est un sous-marin capable de naviguer en grande profondeur. On va quand même pas se pointer comme ça chez les nazis et leur voler un putain de sous-marin. Pas vrai? Je sais où trouver un sous-marin. Mais pour mener mon plan à bien, il faut réparer cet engin. Pouvez-vous le faire? Je ne suis pas de la Dacirette pour rien. Je peux le faire les yeux fermés. Bien. Nous aurons aussi besoin d'y ajouter quelques éléments. Je vous donnerai les détails au plus vite. Blaskowitz, assiste-le si ça ne te dérange pas. Blasco ça. Tranquille, Morel, laisse-moi tranquille, wesh. Non, je rigole. Ah, franchement, truc de fou. Ah, mais la fille là, avec la tête broyée là, il y avait pas moyen qu'on la tue elle, parce que j'aurais bien aimé les ventrer, hein, franchement. Moi, je sais, je suis un petit peu genre bourré et tout là sur le coup, mais franchement, une femme comme ça, il faut pas la laisser vivante. Je suis sûr qu'elle, elle va faire un retour. Pontos? Ah, c'est un prisonnier, ok, j'allais dire, wesh, c'est qui lui? T'es où, tu débarques, mec, t'es où là? Qu'est-ce que tu fais? Ça va, je vais pas t'enlever tes cacahuètes là, reste tranquille. Bon, écoutez les gars, moi je pense qu'on va s'arrêter ici. Oh, ils sont tous calés dans les coins de. Tu fais quoi? Tu lui têtes le tété ou quoi là? Je rigole. Bon, écoutez les gars. Donc, on va s'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part, du moins dans la vidéo. C'est quoi ça? Toujours en forme, mon vieux. Tiens, elle est trop contente, genre il fait des haltères et tout. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si ça vous a plu. Moi je vous dis à très très bientôt. Merci encore pour le soutien, c'était Parano. Allez, peace.